Et bonjour à tous les amis, c'est Brazé, votre gamer favori. On se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 26 septembre 2024. Donc avec de nouveau la une Rubus avec le pack de 6 objets. Donc avec Rubus en série icône, donc avec ses plusieurs customs, avec ou le Manka, le Mad Cat, donc une légende du gaming, fait partie de l'ensemble Rubus cette saison et ce chapitre, donc avec ou non. Ensuite vous pouvez le mettre aussi avec ou sans ses lunettes. Vous pouvez changer la couleur des cheveux, il peut être blond ou brun. Et les effets, alors là c'est quoi les effets? Et sinon on peut mettre avec les effets, mais je vois pas trop la différence. Peut-être la coupe de cheveux, ouais peut-être. Donc avec ou non les effets, donc avec Rubus, sa version Lego. Wilson, c'est son accessoire de dos, donc. La lune enflammée, c'est sa pioche. En série icône toujours. Flamitas de Kevin, c'est son petit revêtement d'armes. Animé et réactif, donc il réagit aux éliminations. Et pour finir, vous avez la petite emote touche ASMR, donc voilà. Le doux bruit d'un bon clavier, donc le tout donc pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Rubus en série icône, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Le pack d'équipement d'accessoires de dos, donc avec l'accessoire de dos et la pioche pour 1000 V-Bucks. La touche ASMR, donc c'est sa petite emote pour 300 V-Bucks. Et le Flamitas de Kevin, donc c'est son vêtement d'armes animé et réactif qui réagit l'animation, le tout en série icône. Ensuite vous avez le pack l'entreprise avec l'employé légende série du gaming, donc avec ses versions Lego, son accessoire de dos, sa pioche, son emote, le tout pour 2100 V-Bucks. En pack vous avez l'employé avec la version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Avec son accessoire de dos pardon, pour 1500 V-Bucks. Le panneau stop, donc c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le gig de l'entreprise, c'est sa petite emote pour 400 V-Bucks. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Luke Skywalker, toujours donc avec Luke Skywalker, sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche, son planeur et son emote, le tout donc pour 3700 V-Bucks. Alors pas que vous avez Luke Skywalker avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Le lance speeder, c'est son petit planeur pour 1200 V-Bucks. Le fusil lance clim, donc c'est sa pioche pour 500 V-Bucks. Le mini spider bag, donc c'est sa petite emote pour 500 V-Bucks également. Ensuite vous avez le pack Yann Solo et Leia Organa, donc pour 2500 V-Bucks, donc avec Yann Solo et Leia Organa leur version Lego, leur accessoire de dos et leur pioche pour 2500 V-Bucks. Alors pack vous avez donc Yann Solo avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Leia Organa avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Donc là c'est la série Star Wars, avec le bâton statique et sa pioche à Leia et le bâton de vibration, la pioche de Yann pour 500 V-Bucks les deux, enfin pour 500 V-Bucks l'une. Le Stormtrooper Impérial avec sa version Lego et son histoire de dos pour 1500 V-Bucks également. Ensuite on retourne donc dans la série Marvel avec le pack Hulk et Ant-Man avec le pack Hulk et sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche, donc son accessoire de dos il est réactif et réagit aux éliminations. Sa pioche, vous pouvez la customiser avec tous les aérosols que vous avez dans votre casier, donc avec son emote, le tout pour 1800 V-Bucks. Le pack Ant-Man avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche, sa petite emote pour 2100 V-Bucks. Alors pack, donc vous avez Hulk avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks, donc il est réactif. Le démolisseur, c'est sa pioche, donc vous pouvez changer tous les styles avec tous les aérosols que vous avez dans votre casier pour 800 V-Bucks. Hulk écrase, donc c'est sa petite emote, donc pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack, vous avez Ant-Man, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. La fourmi redoutable, c'est sa petite emote pour 600 V-Bucks. Le cure-dent, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Brunner Max, donc en série icône également, donc avec ses 4 customs, sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche pour 1800 V-Bucks. Il est réactif et réagit à la musique. Le pack Anderson Pack, donc toujours en série icône également, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Batteuse, c'est leur pioche pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Iron Man, donc de l'âge d'Ultron, donc Iron Man Mark 45 pour 2500 V-Bucks, donc avec la tenue Iron Man Mark 45, sa version Lego. Le capteur d'énergie, c'est son accessoire de dos. La lame énergétique Mark 45, c'est sa pioche. Réaction électrique, c'est son petit revêtement d'armes animé et non réactif, pardon, qui réagit aux éliminations. Et pour finir, vous avez la base Mark 45, qui est sa petite base, donc le tout pour 2500 V-Bucks, donc c'est série Marvel. Hors pack, donc vous avez Iron Man Mark 45 avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks.
L'armée énergétique, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Réaction électrique, c'est son vêtement d'arme réactif qui réagit aux illuminations pour 500 V-Bucks. Et la base Mark 5, donc c'est sa base pour 1000 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Deadpool et Wolverine, donc pour 5600 V-Bucks. Donc avec Wolverine crayonné, sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche, son emote, son vêtement d'arme, son planeur et sa guitare. Avec Deadpool crayonné, avec son accessoire de dos, son vêtement d'arme, sa pioche, son emote, son planeur et sa base. Donc le tout, le prix du pack, donc de Deadpool and Wolverine, donc toujours série Marvel, pour 5600 V-Bucks. Donc hors pack, donc vous avez Deadpool crayonné, donc avec sa version Lego, avec son accessoire de dos, pardon, son vêtement d'arme, sa pioche et son emote pour 2000 V-Bucks, le ballon de... Ah mince, le ballon de Deadpool, pardon, c'est son planeur pour 800 V-Bucks, la base de Deadpool, sa petite base pour 1000 V-Bucks. Ensuite vous avez Wolverine crayonné, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos, son emote, sa pioche, son vêtement d'arme, le tout pour 2000 V-Bucks. L'âge de Wolverine, donc c'est... Sa guitare et le ballon de Wolverine, pardon, c'est son planeur pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de NES NAC, donc il fait son retour avec NAC victorieuse, donc une version normale, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche, son planeur et son emote, le tout pour 2500 V-Bucks. En pack, vous avez DS NAC avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Victoire ailée, c'est son planeur pour 1200 V-Bucks. Victoire de la flamme de la victoire, pardon, c'est sa pioche. Le smosh de la victoire, c'est sa petite emote pour 300 V-Bucks. Ensuite vous avez le pack NAC Air Foria, donc il revient pour 1800 V-Bucks, donc avec Maxomax, leur version, avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa petite emote, et Airy, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos, donc le tout donc pour 1800 V-Bucks. Alors pas que vous avez la H-Max, donc c'est sa H-Max pour 800 V-Bucks. La brise-glace, c'est celle d'Airy pour 800 V-Bucks. Le Detamax, c'est leur petit planeur pour 800 V-Bucks. Les petites retouches, c'est leur petite emote pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Airforia 2, donc 2.0, donc avec Airforia et Eclipse, leur version Lego, leur accessoire de dos, leur pioche, le petit écran de chargement, la petite emote, donc le tout pour 2500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack d'équipement, ça c'est pour le premier pack Nike, donc avec l'emote, les deux pioches, le planeur, l'aérosol, l'emoticône, et l'écran de chargement, je crois, oui, voilà, c'est ça, avec l'écran de chargement, donc voilà, Airforia, voilà, donc, pour 1300 V-Bucks. Ensuite, hors pack, donc vous avez Airforia avec sa version Lego, son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks, Eclipse avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks, l'aspirateur, c'est la pioche pour 800 V-Bucks, sortie de sa boîte, c'est la petite emote pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack quartier de Spider-Man, donc avec Spider-Man 0, sa version Lego, son accessoire de dos, l'immeuble de Spider-Man, donc c'est alors une tenue, une construction, 54 décorations, donc c'est pour le Lego Fortnite, donc vous avez la tenue normale mais avec la version Lego plus les constructions et les décorations qui vont avec, donc avec l'immeuble de Spider-Man, sa construction, l'essentiel du quartier de Spider-Man, c'est un pack de décorations, donc quand c'est notre pack de décorations, appartement urbain de Spider-Man, l'épicerie du quartier de Spider-Man, c'est pack de décorations, et la chambre de Spider-Man, c'est un pack de décorations également, le tout pour 1600 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc l'immeuble de Spider-Man, donc avec les diverses décorations pour 1600 V-Bucks, donc, et le Spider-Man 0, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos, le tout pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Daily Bugle et MJ, donc pour 2800 V-Bucks, donc c'est toujours série Marvel, donc avec MJ, Mary-Jane Watson, donc avec sa version Lego, sa gratte étoilée, accessoire de dos et pioche, avec donc une tenue, une construction, 50 décorations, donc avec le Daily Bugle, c'est la construction, donc pour le Lego Fortnite toujours, avec l'essentiel du Daily Bugle, c'est pack de décoration, J. Jonah Jameson, pack de décoration, assistant d'édition, donc c'est un pack de décoration, bureau de journal, un autre pack de décoration, et salle du courrier, c'est un pack de décoration, donc le tout pour 2800 V-Bucks. En pack, vous avez donc le Daily Bugle avec les différentes, la construction plus les décorations pour 2000 V-Bucks. Mary Jane Watson, donc avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche, le tout pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack de laboratoire de l'arme X, donc pour 2600 V-Bucks, donc avec l'arme X, donc toujours en série de Marvel, donc une tenue 41 décorations, donc avec sa version Lego, ses griffes de l'arme X, c'est sa pioche, le matériel de l'expérience X, c'est son accessoire de dos, pardon, le tracker X, c'est son petit revêtement d'arme animé et réactif qui réagit aux illuminations, plus ses décorations pour le Lego Fortnite, donc avec le pack de décoration, le charme de l'arme X, le labo de l'arme X, et le labo de l'arme X détruit, donc le tout pour 2600 V-Bucks. En pack, donc vous avez l'arme X avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche et son revêtement d'arme pour 2000 V-Bucks.
Le labo de l'arme X détruit, donc c'est pas de décoration donc pour les gofondales pour 400 V-Bucks. Le labo de l'arme X pour 500 V-Bucks, c'est encore une décoration. La chambre de l'arme X, la dernière décoration pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez la voix des champions, donc avec Kudo qui fait son retour avec sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche pour 1500 V-Bucks. Astra, donc qui fait son retour également avec sa version Lego, son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Kylian, qui fait son retour également avec sa version Lego, son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Détonatrice avec sa version Lego et sa petite bannière pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Vente déplumée, donc toujours le pack avec tir d'aile pour 3000 V-Bucks, avec les trois personnages avec Polo l'Emplumé, Corvus et Pingard avec leur version Lego, leur accessoire de dos, les deux revêtements d'armes et la pioche pour 3000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Polo l'Emplumé avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks, Corvus avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks, Capitaine Pigard avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks, les caqueteuses, c'est leur pioche pour 800 V-Bucks, Plume Exorbitée, c'est un premier revêtement d'armes qui juste animé. Le deuxième, c'est le du Velugrub, il est animé et réactif, donc il réagit aux illuminations pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Bande d'Emplumée, donc toujours avec Rushine, Sergent Colvert et Tex le Flamand, donc avec la version Lego. Leur accessoire de dos, la pioche, et c'est tout, voilà, donc tout pour 2600 V-Bucks. En pack, vous avez Tex le Flamand avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Rushine, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Le Sergent Colvert, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Pioche Plumée, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks, c'est leur pioche, pardon, le panaché, le penag, panaché, c'est un vêtement d'armes animé, et il est réactif ou pas? Non, il est juste animé, pardon, donc pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Vive la Victoire, c'est la petite Imote, donc saison 9, premier chapitre, célébré comme il se doit, donc pour 500 V-Bucks. Le pack Sushi, donc avec le retour de la Reine du Maquis, le Maître Sushi, leur version Lego, leur accessoire de dos, leur pioche, leur revêtement d'armes, non, leur pioche et le petit panneur, pardon, pour 2000 V-Bucks. Alors, pas que vous avez rien du maquis avec sa version Lego, son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Sushificateur, donc c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Maître du sushi, donc avec sa version Lego et son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Poisson violent, c'est le petit panneur pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours les modes Bye Bye, donc série icône, donc. Ciao, goodbye, sayonara, bref, vous avez compris, donc c'est l'emote synchronisé de Deadpool pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez Gun Yu, donc il fait son retour, je pense, un paragon de loyauté, de bravo, fait partie de l'ensemble. Kang Yu, donc saison 6, premier chapitre, avec ou non version dragon, avec ses versions Lego, avec sa targe loyale qui est son accessoire de dos, qui a deux custom également, donc le tout pour 1500 V-Bucks. Le Gunko, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le Dragon Divin, c'est son petit planeur pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour du pack Peloton des Pantins avec sa version Lego, son accessoire de dos, sa pioche, son vêtement d'armes, le tout pour 1500 V-Bucks. En pack, vous avez Pantin avec sa version Lego, son accessoire de dos pour 1200 V-Bucks. Caboche, c'est sa pioche pour 500 V-Bucks. L'Apposanté, c'est son vêtement. C'est son emote pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Piste American Idiot, donc avec les trois pistes musicales American Idiot, Boulevard of Brooklyn et Holiday pour 600 V-Bucks. Alors, pack, donc vous avez American Idiot pour 500 V-Bucks, Boulevard of Brooklyn pour 500 V-Bucks et Holiday pour 500 V-Bucks également. Ensuite, vous avez September de Earth, Wave and Fire pour 500 V-Bucks. Don't Me Down, donc c'est une autre piste musicale pour 500 V-Bucks. Just Do You Meet de Justin Bieber pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack 30e anniversaire, donc il comprend Welcome to Paradise, When I Come Round, Basket Case, donc pour 1300 V-Bucks, sinon vous les avez les unes après les autres pour 500 V-Bucks. Et ensuite, vous avez Darune de Samstrand pour 500 V-Bucks. Vous avez en tout, donc, 229 pistes musicales, donc vous trouvez tout dans le Fortnite Festival, sinon alors que vous avez du Lady Gaga, du Maroon 5, donc du Metallica, du The Weeknd, donc vous avez pas mal d'artistes, donc vous avez 209 pistes musicales pour 500 V-Bucks l'une, à part les petits packs que je vous ai présentés, sinon c'est 500 V-Bucks la piste musicale si vous voulez les avoir dans votre casier, sinon vous les retrouvez tout dans le Fortnite Festival. Ensuite, c'est Kibéo pour le Fortnite Festival, donc toujours avec la flotte spatiale pour 1000 V-Bucks, c'est la guitare, l'indu basse, c'est la basse pour 500 V-Bucks, les petits packs classieux, c'est une petite emote pour 200 V-Bucks, qui est très rigolote. Mais il me donnait le petit micro pour 1000 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de tenue de Carol G, donc en tenue série icône avec Carol G, sa version Lego, son accessoire de dos, sa piste musicale, son revêtement d'armes et son micro pour 2200 V-Bucks. Ensuite, toujours en série icône, le pack Bonin Jams, donc avec les deux emotes et les deux pistes musicales qui sont série icône également
pour 1400 V-Bucks. Ensuite, vous avez Carolina avec sa version Lego sur l'histoire de dos, qui est réactive, qui réagit à la musique, donc pour 1500 V-Bucks. Bonito, c'est son revêtement d'armes animé pour 500 V-Bucks. Le micro, la tournée MSB, son petit micro pour 800 V-Bucks. Promandia, c'est son petit remix dans sa pièce musicale remixée, donc pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez la Okidoki, la petite Emote, pour 500 V-Bucks, donc en série icône toujours, donc. Ensuite, vous avez la Cairo, donc une autre petite Emote série icône pour 500 V-Bucks. Cairo, c'est la piste musicale pour 500 V-Bucks. La Okidoki, c'est la piste musicale pour 500 V-Bucks également. Ensuite, vous êtes sur le pack Peregrine Green TT, donc le châssis Peregrine TT, donc avec ses différents stickers pour 1500 V-Bucks. Le pack Redline, donc avec le châssis Redline et ses différents stickers pour 1500 V-Bucks. Les roues Javin pour 400 V-Bucks. Le Turbo Plasma, donc c'est un petit turbo pour 250 V-Bucks. Les roues Chakram pour 600 V-Bucks. Ensuite, j'ai toujours visité d'acheter le pass le festival de la saison 5. Donc, si vous voulez avoir des nouvelles custom, des nouvelles guitares, des nouvelles pistes musicales pour Karol J ou pour d'autres artistes, donc je pense qu'il y a d'autres artistes, voilà, tout simplement. Donc, avec Afrojack, donc Fethirine, donc voilà. Et vous avez des petites emotes. Donc, si vous débloquez une partie gratuite en faisant du Fortnite Festival, mais après, si vous voulez avoir le reste, il faut prendre le pass festival pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pass Lego pour 1400 V-Bucks. Donc, également pour le Lego Fortnite uniquement, donc avec des constructions, la banane Virine, donc avec sa version Lego et des nouvelles constructions, donc pour 1400 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack de démarrage, pack et offre spéciale, avec le pack de démarrage d'Opération Fluo pour le Lego Fortnite pour 3,75€. Le pack de quête de toucher d'or, donc avec Marie d'or, sa version Lego, son accessoire de dos, ses différentes customs, sa pioche, son petit écran de chargement, et des quêtes supplémentaires pour gagner 1500 V-Bucks pour 13,79€. Ensuite, vous êtes sur le pack Faille Infini, donc pour 17,25€, avec les 3 personnages en version Lego, leur accessoire de dos, leur pioche, le tout pour 17,25€. Le pack Légende Corrompue pour 18,49€, les 3 personnages en version Lego, leur petit accessoire de dos et leur pioche pour 18,49€. Ensuite, vous êtes sur le pack Démolition Enflammée pour 18,49€, avec le personnage, sa version Lego, son accessoire de dos et sa pioche, et un accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminez la défense du bouclier anti-dambé de base 3 pour déverrouiller les quêtes pour entamer ce pack de défis. Pardon. Et pour finir, vous êtes sur le pack de quêtes de démarrage de Launchon pour 9,99€. Donc, avec Launchon, sa version Lego, ses différents stickers, des quêtes supplémentaires pour déverrouiller des roues et des bannières pour son véhicule. Sinon, vous êtes sur possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de vitalités au club, donc des objets cosmiques exclusifs au club, donc une nouvelle étape est livrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur des appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez la passe de combat, il vous rembourse 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et pour le mois d'octobre, on a le skin en avant-première, le skin Paulus, donc le plus puissant présage d'un destin funeste. C'est parti d'ensemble, Flamme Tellurique, donc cette saison et ce chapitre, donc c'est le personnage du mois d'octobre, avec sa version Lego, avec son rune de tentation qui sont accessoires de dos, le symbole des défis à venir, et la lame ignée, percer les flammes jusqu'à atteindre la vérité, donc c'est sa pioche, donc le tout, donc pour 12€ par mois, les amis, si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite, vous obtenez tous ces avantages. Voilà, nous avons déjà le terme de cette vidéo. Si vous a plu, n'oubliez pas de vous manifester, comme d'habitude, je vous le demande tous les jours, à chaque fois dans la vidéo, donc je sais pas, peut-être que vous ne l'aurez pas entièrement, puisque sinon, je pense que vous manifesterez plus souvent, il y aurait plus de commentaires et plus de pouces bleus, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, si elle vous plaît vraiment, les amis, enfin, si la chaîne vous plaît vraiment, et la vidéo vous plaît également, mais manifestez-vous, on est 3109 sur la chaîne, donc je voudrais juste vous voir, vous parler avec vous, donc discuter par commentaire interposé, ou même quand je suis en live, n'hésitez pas à venir à discuter avec moi, à venir parler, n'ayez pas peur, je ne mange pas, voilà, n'écoutez pas ce qu'on vous a pu vous dire, hein. J'espère qu'on vous a rien dit de spécial sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à venir, je suis toujours aussi sympathique, voilà, donc n'hésitez pas à venir, et voilà, et à mettre des commentaires, et à venir quand je suis en live également, donc voilà. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, si la chaîne te plaît vraiment, n'hésite pas à le faire. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Tu cliques en bas à droite, tu cliques sur s'abonner, tu oublies d'activer la cloche de notification pour notifier les prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, vous le connaissez tous par cœur, c'est le code Brasier en majuscule, en minuscule, en boutique de Fortnite. Donc il va vous enflammer votre hiver, donc n'hésitez pas à le mettre. Mettez chercher, moi ça m'aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et à bientôt les BG, ciao, ciao, ciao les frérots, bye bye.